Samba, ma professeure de marketing m'a offert aujourd'hui un slogan. Elle m'a demandé de choisir comme slogan de Marketing TV Monde la voix du marketing. Yes, I. Félicitations. Merci à, Madame Fatima, avec qui nous avons fait deux émissions aujourd'hui. Chers et de nous, nous allons parler d'agriculture biologique et d'agro-business, de même que de commerce équitable. Et je suis en ligne depuis Lille avec Samba Korgueye. Samba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Samba, vous êtes actuellement où? Je suis à Lille. Je suis particulièrement à Lambersa, à 2 km de Lille. Voilà, moi je suis à Dakar, à moins de 2 km du monument de la Renaissance africaine. Ok. Samba, nous allons parler de quoi? C'est quoi le menu du jour? Le menu du jour? Oui. Bah, on va rester sur le même thème. Oui, on va rester sur le même thème. L'agriculture biologique. L'agriculture biologique, oui, au Sénégal. Le business et le commerce équitable. Et le commerce équitable. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, Samba, je vais vous laisser vous présenter qui est Samba Korgueye et qu'est-ce qu'il fait au Sénégal et qu'est-ce qu'il fait en France? Donc, Samba Korgueye, j'habite à Lille. J'ai créé une structure qu'on appelle Sunubio depuis 2006 en France et au Sénégal. Mm-hmm. Sunubio a pour vocation de promouvoir l'agriculture biologique et le commerce équitable en France et au Sénégal. Mm-hmm. Et donc, de ce fait, nous avons mené un projet de construction de centres de formation agricole à caractère biologique au Sénégal, tout en sensibilisant des groupements d'agriculteurs et de producteurs à travers le Sénégal pour les mêler à la filière agricole biologique. Très bien, très bien. Samba, comment est né Sunubio? Sunubio, d'une idée parmi d'autres idées. Parce qu'avant, je faisais de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire on utilisait les pesticides, tout ce qui est produits chimiques, pour avoir de meilleurs rendements. Donc, arrivé à une période de ma vie, j'étais écœuré des produits chimiques, quoi. J'en voulais plus parce que pour moi, c'était blesser la nature, c'était modifier quelque part le bon cours de la nature. C'est-à-dire que accélérer une plante, la booster, c'est-à-dire la doper, quoi, en fait. C'est doper une plante. C'est la doper. Et donc, une plante dopée, vu qu'on la dope, la personne qui consomme le produit du dopé, il devient dopé aussi, quoi. Ouais. Donc, ouais. Tout en le consommant et tout en l'utilisant, parce qu'on... On voit le même problème ici en France, les agriculteurs au bout de 30 ans, ils finissent tous malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont inhalé des produits chimiques, qu'ils ont manipulé divers produits pour avoir de meilleurs rendements. Pourquoi? Parce que c'est la politique agricole qui demandait ça. Donc, à une période, on a demandé aux agriculteurs français d'augmenter leur rendement. Et pour ceux, ils avaient besoin d'additifs chimiques. Donc, d'où la société Monsanto qui a fait un carnage à travers le monde. Donc, on n'en parle plus.
Donc, la culture biologique était mon alternative. Et donc, comme j'étais spécialisé en conventionnel, il fallait que je me spécialise en agriculture biologique. Donc, je me suis spécialisé et après, j'ai optimisé sur le terrain. Donc, j'ai commencé à me faire connaître dans l'île, des collectivités locales, des collectivités territoriales, des structures existantes. Et je faisais partie des premières structures existantes parmi d'autres structures à Lille, qui ont fait la promotion de la culture biologique et du commerce équitable. Donc, ça a démarré à Lille. Donc, on a créé un collectif avec mes différents partenaires qui s'appelle Communidé. En fait, c'est le collectif des acteurs du commerce équitable et de la consommation responsable en région Nord-Pas-de-Calais. Très Et bien, donc, très bien. voilà. C'est parti comme ça. Donc, chaque élément regroupait le collectif et chacun avait sa spécialité. Dans la mienne, moi, c'était promouvoir l'agriculture du Sénégal et l'agriculture biologique et le commerce du Sénégal. Et vous vendez des produits sénégalais en France? En France, je mets à moi, je ne vends pas particulièrement, mais je mets en rapport des partenaires, producteurs, distributeurs ou producteurs, transformateurs. D'accord. Donc, j'en suis à ce stade-là maintenant. Ouais. Actuellement, quels sont les produits sénégalais, les produits bio sénégalais les plus consommés en France? Bon, on va dire l'hibiscus, le bissap en premier, le bissap Yprone. Oui, le bissap. Le bissap, parce que moi j'avais commencé à importer du bissap bio, qui était produit par des groupements de femmes du côté de Djourbel, et qui était accompagné d'une structure qu'on appelle Hunger Project au niveau du Sénégal, qui accompagnait ces groupements de femmes-là et qui produisait un excellent. Produit un excellent bissap de qualité supérieure, un bissap bio, et c'est un bissap qui se vendait très cher ici à Lille. Hein. Donc, c'est avec des. Je peux avoir le prix pour faire la comparaison entre le prix sénégalais et le prix français. Ah non, les prix varient. Après, moi, je sais que j'ai vendu le kilo de mon bissap jusqu'à 50 euros le kilo. Comme par exemple, c'est un bissap bio, certifié. Il n'y a même pas, c'est un bissap qui a été séché en hauteur, donc qui ont respecté un certain cahier de charge. Tout à l'heure, en venant, j'ai acheté un pot de bissap à 250 francs. Ouais, mais le bissap là, il a été produit comment? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il a respecté les normes, le cahier de charge, les normes d'hygiène, tout ça? Parce que faut aussi penser à une chose, c'est que les produits sénégalais qu'on vend ici, si nous ne respectons pas les normes et les cahiers des charges, mais nous sommes capables d'empoisonner les gens ici. Hein. Ça, c'est un cas, c'est un thème où il faut mettre le doigt. Donc, il faut savoir ce qu'on vend, ce qu'on donne aux gens. Ce qu'on donne aux gens, moi ici, voilà, c'est important. Donc, d'où le respect de la filière, des cahiers des charges. Vous avez commencé par l'agriculture conventionnelle. Conventionnel, ouais. Vous l'avez abandonné pour aller vers l'agriculture biologique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce nouveau chemin? J'ai visité différentes structures. Je me suis abreuvé sur le terrain. Donc, j'étais voir différents producteurs qui faisaient du bio. J'ai d'abord rencontré en 98 trois associés, des retraités, qui disposaient d'un produit phytosanitaire bio. Et donc, c'est ce produit-là que j'ai ramené au Sénégal en 98 pour faire la promotion. Mais bon, là, j'étais, je dirais pas trop en avance, quoi, mais c'était pas la bonne période, quoi. Mais toujours est-il que j'ai toujours continué mon travail de sensibilisation. J'ai jamais lâché le morceau, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, petit à petit, moi, en fait, tout mon entourage me connaît que sur la culture biologique, que sur la culture. Donc, ça, c'est mon thème. Voilà, c'est mon dada, comme on dit. Au Sénégal, est-ce que vous avez des difficultés, vous qui êtes dans l'agriculture biologique? Les difficultés, on en a rencontré au départ, ouais. Oui, Mais lesquelles? comme je vous dis, bon, c'est le. En fait, quand vous venez avec un concept qui était oublié et qu'il faut remettre sur le tapis, il faut rafraîchir les mémoires, en fait. Il y a un travail à faire.
On ne vient pas directement dire, voilà, je viens, je fais de l'agriculture biologique. Non. Donc, il y avait un travail à faire. On a mis, allez, 2 ans pour approcher les différents groupes, les sensibiliser, les expliquer la raison de notre venue, nos projets et le but de nos projets. Et quand ils ont pris connaissance du but des projets, ils y ont tous adhéré parce que tout le monde y trouve son compte. Parce que l'agriculture aujourd'hui enrichit les Sénégalais, mais l'agriculture biologique enrichit encore plus les Sénégalais. Donc, accompagnons-les, mettons-les dans la filière, voilà. Et puis aussi, si c'est qu'une question de moyens, on peut demander aux Sénégalais d'investir dans l'agriculture directement. Donc, c'est un moyen de donner un coup de main aux agriculteurs. Samba, vous dites que les agriculteurs y trouvent leur compte. Ben oui. Comment? Ils vendent Ben plus là. cher et ils dégagent plus de marge. Non, Oui, ce n'est même pas une question de vendre plus cher. C'est une question de découler son produit. d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on adopte un système. Il faut qu'il y ait zéro perte parce qu'on n'aime pas les pertes. Donc, comme on a un problème de stockage au Sénégal, on a un problème de respect de la chaîne de froid, on a un problème de filière de froid. Donc, de ce fait, nous ne produisons que ce que disons que ce que nous avons été commandé. Parce qu'aujourd'hui, si je vous donne l'exemple de la mangue. Hein? Donc, il existe deux formes de mangue. Il y a la mangue bateau et il y a la mangue avion. OK? Il La mangue bâton. y a la mangue bateau et mangue avion. Ce classement-là découle de quoi? Parce que les mangues qui prennent les voies maritimes, ce sont des mangues qui n'ont pas atteint leur maturité avant qu'on les cueille. D'accord? Donc, elles ont le temps de voyager 1, 2, 3 semaines en mer sans pour autant être altérées parce qu'il y aura des saupoudres de produits chimiques aussi pour qu'elles puissent tenir durant le trajet. Tandis que les mangues avion coûtent plus cher. Pourquoi? Parce que c'est des mangues cueillies à l'arbre et on l'a cueilli aujourd'hui, ben, le lendemain, il est à un point B. Hein, il est à 1 000 km ou à 10 000 km. Une mangue fraîche avec du goût. Aujourd'hui, en France, pour trouver une bonne mangue avec du goût, il faut la payer cher. Mais sinon, si c'est que ne serait-ce que pour trouver des mangues, il y en a partout. Hein. Voilà la différence. Samba, est-ce que vous avez fait des études sur le taux d'agriculteurs biologiques au Sénégal? Combien d'agriculteurs font du bio? Le Du pourcentage? bio, bon, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je peux avoir une estimation approximative, quoi. De combien? Je dirais que il y a surtout, je dirais, dans la région de Thiès, les agriculteurs biologiques les plus actifs que j'ai rencontrés, c'est dans la région thiésoise. Les structures, voilà, à Thiès, comme le Refaber, À caisse. Agricole. Et puis ils font un marché bio à Thiès, je crois que c'était tous les lundis, tous les lundis ou tous les jeudis. J'ai eu à Il y a un participer marché bio. à une foire biologique, à une foire de produits bio Voilà, tout à fait. Tout à fait. avec quoi l'Afrique. Et chaque jeudi et vendredi, ils organisent une rencontre, un marché bio à l'intérieur de l'Agricole Afrique. Voilà. D'accord. Parce qu'avant, avant, ce n'était que les jeudis. Maintenant, tu me dis que c'est les jeudis et vendredis. Jeudi et vendredi. Alhamdoulilah. Et beaucoup de Voilà. gens viennent acheter là-bas. Donc, voilà, c'est les. Les gens viennent acheter. Ouais. Après, il faut voir les différentes régions, les différents producteurs qui produisent. Il faut les recenser, en fait. Il faut faire un travail de recensement de tous les agriculteurs. Il faut tenir une base de données de tous les agriculteurs, ce qu'ils font, les conventionnels, les agriculteurs biologiques, les agriculteurs raisonnés, ceux qui font de l'agriculture transitionnelle, etc. Après, aujourd'hui, tu peux faire de la culture conventionnelle, mais demain, tu peux atterrir en agriculture biologique. C'est comme C'est possible. moi. Voilà, donc il y a des transitions. Il y a des transitions. Aujourd'hui, un agriculteur qui est conventionnel, qui met des produits chimiques, qui veut se, comment dirais-je, je perds mes mots, qui veut se reconvertir en agriculture biologique,
Ben, il fait des sacrifices, c'est-à-dire que sa terre qu'il utilisait, ben, il va rester 3 ans sans l'utiliser. D'accord. Comme ça, au bout de 3 ans, toutes les propriétés du complexe argilo-humique du sol, ben, ils vont pas s'évaporer, mais ils vont se dissiper. Et à partir de là, on procède à une analyse de sol. Et là, on peut constater effectivement qu'il n'y a plus de particules chimiques dans le sol. Et à partir de là, on peut attester que ce sol-là est apte pour faire de la culture biologique. Très bien, très bien. Samba, quels sont Voilà, les donc il y a avantages des d'un produit bio? les avantages d'un Pour le produit bio. producteur. Pour le producteur, pour le Le producteur. produit pour le producteur. Bah, déjà, Oui. l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait une agriculture saine. Donc déjà, il s'occupe de sa santé et il vend un produit sain. Et Oui. ce produit sain-là, c'est, moi, je peux appeler ça un alicament. Parce que un produit sain te soigne. Ouais. Un produit sain te soigne. Pour le producteur. Comment? Avantage pour le producteur. Pour le producteur aussi, non seulement il va plus inhaler de produits chimiques, mais il va vendre un produit de qualité, qui plus est un produit de label, et il va tirer des bons revenus de par la production de ses produits et de par le respect des cahiers des charges. Parce qu'il va rejoindre une filière qui respecte ces cahiers des charges-là. Ouais. Entre un produit conventionnel et un produit bio, Oui. lequel des produits est plus facile à stocker? Je parle de ceux qui n'ont pas de moyens de stockage. Par exemple, la pomme de terre. Entre une pomme de terre bio et une pomme de terre conventionnelle, laquelle Moi, pourrait je peux vous. mieux? Ouais, moi, je vous pouvez faire l'exemple. Vous prenez 2 pommes de terre. Ouais. Une bio, une non bio. Oui. Vous la mettez dans le frigo. Ouais. Vous attendez une semaine. Vous voyez la différence. Qu'est-ce qui va se passer? Le produit bio restera plus intact que le produit conventionnel. D'accord. Samba, moi j'ai eu à interroger des producteurs bio à Thiès. Oui. Ils m'ont dit que les produits conventionnels sont plus beaux que les produits bio à la cueillette. Mais au bout de quelques Ouais. jours, tu verras que ça va s'inverser. C'est vrai? Non, en fait, il faut respecter la chaîne de froid. Un produit qui quitte l'arbre, il a besoin d'être dans de bonnes conditions de cueillette, d'emballage, de transport pour qu'il puisse arriver intact. Ouais. Mais s'il est mal manipulé, il est blessé, il a des petits chocs, bah, normal que le produit, au final, il n'arrive pas entier, quoi. Ou il n'arrive pas parfait. Mais si le respect de la chaîne de froid est respecté, si la chaîne de froid est respectée, c'est-à-dire que le produit est cueilli tout de suite, il est mis en chambre froide, il est emballé, il est mis en chambre froide, il est nettoyé d'abord, après mis en chambre froide. Tant qu'on respecte la chaîne. Mais au Sénégal, on manipule pas toutes les structures, mais en règle générale, nous manipulons les légumes à chaud, hein. Voilà, c'est ça le problème. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nogueïdou, Sonna Khadi, Dédou, Adama Sissi, Adela Touf, Yves Malak, professeur, merci à vous qui nous suivez sur Père Emmanuel Live. Merci à tous ceux qui nous suivez. On prend une courte pause. Je prends un bissap bio et je reviens. D'accord. J'espère que mon visage est bio.
Samba. Oui. Samba, est-ce que l'agriculture biologique peut régler les problèmes des agriculteurs au Sénégal? Un agriculteur qui cultive pendant 3 mois, il a de meilleurs revenus. Pendant 7 mois, il tire le diable par la queue. Est-ce que l'agriculture biologique peut régler ce problème-là, comme Youssou nous vient de le dire? Ah oui, moi je dis que la culture biologique est vecteur de développement au Sénégal. Ouais. Et comment peut-on faire pour convaincre les agriculteurs d'aller vers le bio? Samba. Samba, un problème de connexion. Merci à Fatou qui n'est failli. Merci à Badji, Betty, Avi, Norendou. Samba. Oui. Comment peut-on faire pour les convaincre d'aller vers le bio, de laisser, d'abandonner le conventionnel? Non, en leur expliquant tout bonnement et simplement que c'est bon pour leur et que c'est aussi sain pour leur porte-monnaie. Mmh. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent s'enrichir en allant vers le bio? Au final, on va s'enrichir, mais je peux vous assurer qu'ils auront un revenu convenable. On va déjà commencer comme ça. Ils auront un revenu convenable et régulier. Convenable et régulier, merci. Au lieu d'avoir un revenu. Voilà. Ouais. Ça, mais est-ce qu'il y a un marché bio au Sénégal, un marché des produits biologiques? Mm-hmm. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à acheter du bio, je veux dire? Ah oui, on n'a qu'à leur montrer que c'est du bio, leur prouver que c'est du bio, ils vont voir les produits, ils seront satisfaits. Parce que les produits bio, tu les remarques vite fait, hein. Tu sais, quand tu vas chercher des tomates et que tu prends une grappe de tomates, tu vois que toutes les tomates se ressemblent, c'est pas du bio, c'est du clonage. Allez, cernez-nous. Donc on peut les reconnaître du visuel. Ben oui, en fait, une grappe de tomates, des c'est comme des frères et des sœurs. À moi, les frères et sœurs ne se ressemblent pas tous. Ouais. Qui ne drogue pas lui, qui ne drogue mère lui, qui ne drogue maman lui. Mais une grappe de tomates bio, ils se ressemblent tous, c'est des jumeaux. Même taille, même calibre, même goût. Ah bon? Non, d'accord, jamais. Même taille, même calibre, même goût. Ouais, tu le remarques vite fait avec la tomate. Ça, c'est l'exemple flagrant. D'accord. Mmh. Samba. Oui. Les producteurs, comment peuvent-ils faire pour réduire leurs coûts? Pour réduire leurs coûts, coûts de production? Oui, leurs coûts de production et de distribution. Il faut commencer petit à petit. Il ne faut pas viser grand au départ. Il faut commencer petit à petit. C'est-à-dire que même au niveau du Sénégal, il y a assez de clientèle pour les producteurs qui sont là-bas. Parce que nous consommons. Ouais. Moi, je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, qu'on nous vende des oignons transgéniques. Hein? On dit que c'est les femmes qui font la cuisine Jumbo. Il n'y a pas que le Jumbo. C'est les oignons transgéniques qu'on nous ramène qui viennent d'Espagne, de Monsanto, les tomates transgéniques. Mmh. Hein? Tout ce qui vient d'Israël transgénique, on nous donne, on bouffe ça. C'est ça que nous tue, hein? De l'ananas. De l'ananas. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas avant. Hein? Attends, ils peuvent mettre n'importe quoi dans les produits et puis le Gonagra au Sénégal, il n'y a pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, quoi. Mais les laits, il y a des produits qui rentrent au Sénégal. Attends, on se demande comment ils ont fait pour glisser, quoi. Mais c'est quoi la solution? C'est le bio? Je ne dis pas que la solution, c'est le bio. La solution, c'est le changement de comportement. Et puis, on peut s'autoproduire. On est autosuffisant. Le temps d'une codef. On a l'argent, on a les moyens. Hein? Il y en a qui veulent cultiver. Même si tout le monde ne veut pas aller être producteur, cultiver. Il y en a qui veulent le faire. La preuve, on ne cultive tellement plus qu'il y a l'exode rural.
Il peut me dire que c'est à l'abri de lui. Ouais. Pourquoi pas de bail nous? On ne peut plus. Ça, hein? Allô? Ouais, allô Samba? Oui, c'est toujours là. Je rappelle que je suis avec Samba Korgué depuis Lille, en direct depuis Lille. Samba? Oui. Samba? Oui, je suis là, tu m'entends? Apparemment. Oui, je t'entends. En fait, il y a des Sénégalais qui disent que les produits bio coûtent cher. C'est vrai? Ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du nombre d'intermédiaires. S'il y a beaucoup d'intermédiaires, Du le nombre produit est cher. d'intermédiaires. C'est ça qui fait que le produit est très cher. Mais s'il y a beaucoup d'intermédiaires, le produit est abordable. Abordables, structures, Samba, je te reçois mal, je te reçois mal. soit des AMAP, soit des agences, des structures qui nouent les groupements de producteurs. Parce que tant qu'on n'est pas structuré, on a beau vouloir produire, mais on va vendre à qui? Ah, je Qui va nous croire que ce produit-là, il est tel ou tel ou tel ou tel, il ressemble à tous les autres produits, hein? Mais quand tu t'affilies à une structure, tu t'affilies à un groupement, tu t'affilies à une norme, tu t'affilies à des critères, tu respectes des cahiers de charges. Là, on se dit, voilà, lui, il marche patte blanche. Là, tu es incollable dans ce que tu fais. Ouais. Parce que même nous, moi, quand je vendais des produits du Bissap, la mangue, sur mes différents stands ici en France, bah, je peux t'assurer que j'avais un tonne de questions qui m'étaient posées derrière, hein, en face directe. Hein. Donc, si tu n'as pas des répondants, c'est que tu fais n'importe quoi. Et si tu fais n'importe quoi, bah, tu fais une mauvaise promotion. Et je peux t'assurer que les meilleurs clients du Bissap ici, c'est les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je leur ai vanté les mérites du Bissap, qui est un très bon anticoagulant, qui facilite la circulation sanguine. Quand tu bois un Bissap chaud le matin, tu as moins de problèmes de circulation. Par contre, il ne faut pas prendre Samba. du. Mais nous, nous connaissons certaines produits comme le produit ou le. Quand tu manges une mangue, tu souris. C'est parce que tu manges une mangue et tu as la gueule. Samba, il faut revoir ton réseau là. Tu es en train de réseau, hein? Reçois Allô? des appels en dessous, on me téléphone des SMS à chaque fois, je reçois des appels et des messages. Ils ont dû mettre en mode avion. Samba. Oui. Je dis, apparemment, tu es en problème de réseau. Ça va là? Ouais, ça va mieux. Samba, est-ce qu'on peut parler un peu de commerce équitable? Toutes nos excuses, le réseau de nos correspondants n'est pas bon. On va essayer de se reconnecter vite, Samba. Je rappelle que nous sommes avec Samba Kor qui est en direct depuis Lille. Et nous parlons aujourd'hui de commerce équitable, d'agro-business. Allô? Allô, Samba? Ouais, Samba vient de quitter.
on va essayer de contacter Samba. C'est de recontacter Samba. La question sur le commerce équitable, qu'est-ce que le commerce équitable, Samba? En fait, le commerce équitable, c'est un commerce qui permet au producteur de vivre décemment de sa production. Ouais. Qui m'a rejoint une filière de groupements de structures qui sont constituées en commerçant équitable. Mm-hmm. Voilà. Donc, on va dire qu'il rendrait plus de revenus. Il a acheté son produit à prix équitable. Ouais, ça veut dire que le commerçant, l'agriculteur peut désormais vivre décemment. Il peut vivre décemment. Et il n'aura plus le problème de distributeurs qui viennent acheter à bas prix leur produit. Ouais, donc ça lui permet de vendre à un tarif cher, disons. Un tarif normal. Ouais. Samba, on a un problème de réseau ici. Peut-être je vais vous demander des conseils pour les agriculteurs. Les conseils que je peux donner, c'est de se constituer un groupement ou une association ou un GMU. Ouais. Pour rejoindre toutes les structures qui offrent dans ce sens-là. Il y a différentes associations, comme tout à l'heure, on a cité plusieurs associations à queue. Mm-hmm. Se rapprocher de ces structures-là qui sont déjà connues un peu, qui sont déjà bien avancées. Mm-hmm. Et puis, se faire former par ces groupements-là. Et une fois qu'ils sont formés, ils seront formés tout groupement, vous pouvez adhérer à ce que vous voulez. Donc, c'est ce que je peux donner. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de Surubio? Tout à fait. Moi, je suis au Sénégal dans le courant du mois d'août, mais sinon, par WhatsApp ou par Facebook, mm-hmm. Oui, on peut rapprocher, voilà, via même par votre intermédiaire. Oui, voilà. S'il y a d'autres thèmes dans ce sens-là que vous souhaiteriez aborder dans le futur, oui. Tout ça, on mettra, voilà, on verra comment ça se passe. Voilà. Mais Samba, j'ai remarqué sur internet qu'il y a beaucoup de Sunubio. Oui, parce qu'il y a un Sénégalais qui est expatrié au Maroc. Oui. Il a placé le petit Sunubio pour vendre ses produits, non seulement au Sénégal dont il n'a pas le droit, mais parce que le Sénégal est devant le Sénégal, il n'a pas le droit. Mm-hmm. Il le vend au Maroc et ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Mmh. Donc, je ne veux pas. C'est quelque chose qui me chagrine, mais j'aime pas ça. Est-ce qu'il fait la même chose que toi? Il ne fait même pas la même chose, mais il fait pas du même rêve. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ouais. Il fait de l'agriculture. Donc, il ne fait même pas de l'agriculture, il vend des produits naturels, des produits du Sénégal, des produits naturels, des produits marins, divers produits. Il y a d'autres voies. On n'a rien à voir. Bon, Samba, pour son cas,
d'après les connaissances que j'ai de la marque, en fait, sa marque ne devait pas être acceptée. Vous savez, un nom de marque, je ne parle même pas du plagiat, un nom de marque ne doit pas être déceptif. Qu'est-ce que j'entends par déceptif? Si vous ne vendez pas des produits bio, on ne doit pas avoir le nom bio dans ta marque. Sinon vous trompez le consommateur. Déjà là, c'est un problème de rejet automatique du nom de marque. Dès lors qu'il ne vend pas des produits bio, on ne doit pas entendre le terme bio dans sa marque. Ça, c'est ce qu'on appelle un nom de marque qui est déceptif. En fait, il cherche à tromper le consommateur. C'est comme quelqu'un qui vendrait, disons, un produit avec le terme pharma alors qu'il ne s'agit pas d'un produit pharmaceutique. C'est exactement. Le même culte, c'est que votre produit naturel, c'est produit bio. Ouais, ouais. Non, ça il veut tromper le consommateur. Maintenant, revenons à ton cas pour le plagiat. Est-ce que vous avez déposé votre marque? Ma marque est déposée à la Louisiana depuis 2006. Est-ce que vous avez déposé? Est-ce que vous l'avez déposé au niveau de l'API ou de l'OMPI? Ou de l'IPU? Tous les diplômes de 2006. Très bien. Voilà. J'espère que vous aurez gagné le cours, Samba. Non, mais je n'ai pas gagné tout sur ça. C'est cela. Samba, vraiment, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot et votre avis sur Marketing TV Monde. En tout cas, continuez. Vous touchez un point qui est intéressant, ouais, qui est utile, surtout. Ouais. Parce que je vois que vous recevez différentes structures, ouais, dans différents domaines. C'est ça. C'est ça qui fait la diversité et la richesse de votre domaine. Merci. Je ne suis pas journaliste de formation, il faut me comprendre, des fois je peux passer à côté, mais vos remarques sont les bienvenues. Non. À côté de qui peut faire rien, quand on fait, ouais. En tout cas, merci de ma part et merci de la part de tous les internautes. Merci à vous. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Marketing TV via le digital. C'est ça aussi, Marketing TV, c'est une télévision digitale. Donc, on doit pouvoir inviter tous les Sénégalais, quel que soit l'endroit où ils seront. Voilà, donc nous vous recevrons au mois d'août. Vous serez au Sénégal au mois d'août. Inch'Allah. Donc, nous vous attendons. On aura le temps peut-être de visiter les champs à Thiès. Avec plaisir. En tout cas, on m'a invité à Saint-Louis pour une visite de champs. Il faut prendre des photos, il faut immortaliser ça. Non, on fait du live. Vous savez, nous, on fait du live. À Marketing TV Monde, on fait du live. On ne fait pas de montage. On ne fait pas de montage, Samba. Voilà, merci et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez également. Merci. Samba, vraiment, c'était un plaisir de parler de l'agriculture biologique. Merci à vous, merci à... Ouais, merci à tous les Lillois. Je manquerai pas. Voilà, allez Samba, merci. On va se quitter avec la musique de qui? Youssounou ou bien Isolo? Isolo, Isolo. Allez, ça va, merci. Allez, au revoir. Merci à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Merci à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous demain à 10h pour le lancement de Connex Expresso. Également pour l'événement de notre sœur Sarah Gant, qui doit lancer un nouveau projet sur... Merci à vous. La restauration.
Adaoura Diouf, merci. Ba Ousmane Sy, merci beaucoup. Elage Doudou Dior, Amdi Sambou, Alassane Koulibaly, Philippe Gomis, Abdul Wahab Diallo, merci. Madjang Nyang, mon frère, Vimat Mankabou, Ismaël Emar, Bassir Diakhaté Prohan, Adara Kingom, merci à vous. Fantastique Fantanjaï, fantastique, très bien. Dadinho, Zepé, Tinti, merci Ismaël Amar. Aïssatou Sall Sambou, professeur Djigo, merci professeur, merci d'être là. Fatou Kine Fay, Badji, Betty Avi, merci Nogoy Ndour. Sohna Khadijatou Djeju, j'ai reçu aujourd'hui ton professeur, merci Sohna. Adama Cissé depuis Mbour. Alicia Diaw Diemé, Mamalado Sar de la RTS, Biba Mbaw. Adel Latouf, Yves Malak, professeur, merci beaucoup. Magnol Lai, Jeanne Mané, Ndari Ndiaye, Malo Wagne, merci à vous qui nous suivez, mort. Madame Sek, Saman Sonia, Mayra Kira depuis Utica Dakar, Adja Fatou Diop, Fina Diakhaté Daouda Mané, Eve Boubès Sek, merci depuis IHE Dakar, Samba Kor, merci Samba, Amadou HP Koulibaly, Mokhtar Mbaye, Miaou Traoré, Mamdou Maba, merci Madame Gay, Bambi Thiam, Mamadou Pouy, Kiren Saliou Ndaw, merci à vous, merci de suivre Marketing TV Monde et à demain. Bon Ramadan, Ramadan Mubarak.